Bonjour, bonjour, bonjour. Et bon vendredi à tous. Et là, on est au deuxième jour de l'introduction sur la magie. Donc c'est bien de savoir ce qui nous attend. C'est bien de faire l'intro et de prendre notre temps et de bien comprendre. Ok, donc voilà, on va passer le deuxième jour. Et peut-être qu'il y aura un troisième jour demain. Ok, parce que dépendant, c'est long l'introduction. Ben, on va le faire, bien sûr, et on n'est pas pressé à commencer notre pratique. Peut-être qu'on va commencer le dimanche, n'est-ce pas? On va commencer le jour 1, le dimanche qui arrive, d'accord? Après-demain. Donc voilà, on va rejoindre nos amis sur Zoom et sur Facebook et allons découvrir la magie. D'accord? Allez, à tout de suite. On est connecté maintenant sur Facebook. Et voilà. Bonjour et bon vendredi à tous. Donc on continue avec notre introduction. Donc avant de continuer, on va y aller. On va faire un peu de méditation. On va connecter avec nous-mêmes. On va connecter à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà. On pratique notre respiration du Qigong, toujours in hold, in out, la respiration en deux fois, ok, l'inspiration en deux fois, et hop, on y va, in hold, in out, ensuite on ajoute notre vibration. Et là, notre affirmation pour ce matin, c'est I am honest. I am honest. Je suis honnête. Je suis honnête. On l'écrit et on le répète à l'intérieur de notre tête pendant qu'on retient notre respiration.
On ramène nos mains en haut. On dit merci pour ce vendredi unique. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette fin de semaine. Merci pour tout l'amour qu'on reçoit. Et merci pour tout l'amour qu'on donne. Merci pour l'éducation, pour qu'on grandisse tous les jours. Merci, merci, merci. Frotte mes palmes en rotation. Au moins une vingtaine de fois, minimum. Jusqu'à nos palmes deviennent plus chaud. On pose sur les yeux, on masse, on descend, on dessine le cœur sur notre visage. Et on caresse la nuque. Et on dit merci à tous les êtres vivants sur la Terre. Donc très bien. Ok, alors vous êtes prêts? Ok, on continue. Quand j'ai vu l'introduction, ben je pense que on va continuer à le faire demain aussi, parce que je vois que c'est long, parce que c'est toujours par rapport au temps qu'on donne le matin. Ok? J'essaye de garder ce temps-là, que tout le monde puisse faire vos routines après. Ok? Donc voilà. Bien, on est arrêté, on s'est arrêté. Voilà, on parlait sur every action has always has an opposite and equal reaction. Chaque action a une réaction opposée et égale. Ok, donc aujourd'hui, on va continuer. The golden thread of gratitude. The golden thread of gratitude, le fil d'or de la gratitude. Ok? Donc, allons-y. Dream back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind. The power of gratitude was preached and practiced. And from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents. Permeating one civilization and culture to the next. Okay. Okay. Remontant à des milliers d'années jusqu'au premier enregistrement de l'humanité, le pouvoir de la gratitude a été prêché et pratiqué. Et s'est transmise à travers les siècles, balayant les continents, imprégnant une civilisation et une culture à l'autre. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism and Hinduism all have gratitude at their core. Les principales religions de, on va dire, le christianisme,
l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le sikhisme et l'hindouisme ont tous gratitude au fond d'eux, on va dire dans le cœur de la religion. D'accord? Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. Muhammad a dit que la gratitude pour l'abondance que vous avez reçue est la meilleure assurance que l'abondance continuera. C'est bon là? Vous m'entendez ou pas? On entend, oui, on entend. Ok, très bien. Bouddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Bouddha a dit que vous n'avez d'autre motif que la gratitude et la joie. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Lao Tzu a dit que si vous vous réjouissez de la façon dont les choses sont, le monde entier vous appartient. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. Et Krishna qui dit que tout ce qui lui est offert, il l'accepte avec joie. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. Le roi David a parlé de rendre grâce au monde entier pour tout entre les cieux et la terre. And Jesus said, thank you, before he performed each miracle. Et Jésus a dit merci avant d'accomplir chaque miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee, to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. Des aborigènes d'Australie aux Africains Maasai et Zulu, des Navajo américains, Shawnee et Cherokee, aux Tahitiens, Eskimo et Maori, la pratique de la gratitude est à la racine même de la plupart des traditions. Alors, il y a Shawnee Native American Leader, ok, un leader américain autochtone de Shawnee, qui a dit « When you arise in the morning, give thanks to the morning light. For your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. » Alors le leader américain, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, le leader américain autochtone de Shawnee, il dit que quand tu te lèves le matin, rends grâce pour la lumière du matin,
pour ta vie et ta force que tu possèdes. Rendez grâce pour votre nourriture et la joie de vivre. Si vous ne voyez aucune raison de remercier, la faute en incombe à vous-même. D'accord? Voilà pourquoi je prends le temps pour faire l'introduction. Pour qu'on comprenne au fond de nous-mêmes qu'est-ce qu'on va pratiquer pendant ces 28 jours. Dès qu'on va commencer à pratiquer notre gratitude. Et on va le commencer à le faire à partir de dimanche. Donc ce sera plus que 28 jours, ce sera spécial comme on a dit. On va pratiquer notre gratitude pour chaque jour, on va le multiplier à deux. Ok, on va le faire pendant deux jours. Alright? Donc, history is laden with famous figures who practice gratitude, and those and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. L'histoire est chargée de personnages célèbres qui ont pratiqué la gratitude et dont les réalisations les place parmi les plus grands êtres humains qui aient jamais vécu. On parle de Gandhi. On parle de Mother Teresa. Okay? Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Okay. Donc ce sont les noms des gens qui ont existé et qui ont fait toute une différence. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about this, his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. Quand j'ai appris sur Albert Einstein, c'était comme ça en fait. Quand j'ai lu La Gratitude la première fois, c'est là que j'ai connu Albert Einstein d'une autre façon. Ok? Donc Albert Einstein, les découvertes scientifiques d'Albert Einstein ont changé notre façon de voir l'univers. Et interrogé sur ses réalisations monumentales, il a parlé seulement de remercier les autres. He spoke on only giving thanks to others. C'est ça, sa simplicité. Il parle seulement de remercier les autres. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Voilà la phrase que je cherchais à chaque fois. Vous vous souvenez, je vous demandais ça. Où est-ce qu'on avait écrit? Parce que ce n'était pas dans la pratique. Vous vous souvenez? Je posais cette question-là l'année dernière. Je vous demandais... Est-ce qu'il y a dans la pratique où on va dire merci tous les jours 100 fois? Mais au fait, ce n'était pas dans la pratique. Ce n'est pas dans la pratique des 28 jours. C'est ici que je cherchais cette phrase. Donc tous les jours, qu'est-ce que Albert Einstein fait? Je suis en train de souligner et encercler. Okay. Alors... Qu'est-ce que Albert Einstein fait? One of the brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Et c'est là que j'ai gardé cette pratique
depuis que j'ai commencé à que j'ai connu la magie. Et je vous parlais de ça, vous vous souvenez? Ok, donc Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de tous les temps, ont remercié d'autres personnes plus d'une centaine de fois par jour pour le travail qu'ils avaient fini, qu'ils avaient laissé derrière. C'est ça sa humilité. Il reconnaît le travail des autres. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Faut-il s'étonner que tant de mystères de la vie aient été révélés à Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? Faut-il s'étonner qu'Albert Einstein ait réalisé certaines des plus grandes découvertes scientifiques dans l'histoire? He practiced gratitude every single day of his life. And in return, he received many forms of abundance. Il a pratiqué la gratitude chaque jour de sa vie. Et en retour, il a reçu de nombreuses formes d'abondance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Lorsqu'on a demandé à Isaac Newton comment il avait atteint le niveau scientifique découverte qu'il a faite, il a dit qu'il se tenait sur les épaules des géants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, who was also grateful to those men and women who lived before him. Isaac Newton récemment était élu comme le plus grand contributeur à la science et à l'humanité. Il était également reconnaissant envers les hommes et les femmes qui ont vécu avant lui. The scientists, the philosophers, the inventors, the discoverers and prophets who practiced gratitude reaped its results. Les scientifiques, les philosophes, les inventeurs, les découvreurs et prophètes, avec la gratitude pratiquée, a récolté ses fruits. And most were aware of its inherent power. Et la plupart étaient conscients de son inhérente puissance. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today. Pourtant, le pouvoir de la gratitude est encore inconnu des gens aujourd'hui. Because to experience the magic of gratitude, in your life, you have to practice it. Car pour expérimenter la magie de la gratitude dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez la pratiquer. N'est-ce pas? Ok? Donc voilà, là on va passer sur My Discovery. Ok? Ma découverte.
My story, ok, là on va parler de Rhonda Byrne, l'auteur, ok. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. Mon histoire est un exemple parfait de ce qu'est la vie. Quand une personne est ignorante de la gratitude, et que se passe-t-il lorsque vous intégrez la gratitude dans votre vie? If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift. When someone opens the door for me, or when a person does something for me. Ok? Alors, Rhonda qui dit, si on m'avait demandé, il y a 6 ans, que si j'étais une personne reconnaissante, j'aurais répondu, oui, bien sûr, je suis une personne reconnaissante. Je dis merci quand je reçois un cadeau. Je dis merci quand quelqu'un m'ouvre une porte. Ou quand quelqu'un fait quelque chose pour moi. Si je pose la question à Fabiola, ensuite, qui fait la magie pour la première fois là? Ok. Tanuja, Fabiola. Nishta Babakov, ok. Donc, si je vous demande, est-ce que vous êtes une personne reconnaissante? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Fabiola est à nous. Ben, ça dépend. Ça dépend? Ben, ça dépend. Non, mais reconnaissante, si tu parles de gratitude tous les matins, la gratitude, ben, je ne la fais pas tous les matins, non. Voilà, la question est simple. Est-ce que tu es une personne reconnaissante? Oui ou non, c'est tout. En général, oui. Voilà, c'est comme Rhonda Byrne est en train de dire là. Oui, je suis une personne reconnaissante parce que je dis merci quand je reçois un cadeau, je dis merci quand quelqu'un m'ouvre la porte, je dis merci quand quelqu'un fait quelque chose pour moi. Ok? En d'autres mots, pour elle, quand on a posé cette question à Rhonda, Rhonda disait, oui, je suis une personne reconnaissante. Oui, je dis merci tous les jours. Comprenez? Ok? En fait, tout le monde, si on nous pose cette question-là tous les jours, là, hein, si on nous pose cette question-là maintenant, avant de connaître la magie, bien sûr, on va dire, oui, je suis une personne reconnaissante. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Donc, c'est ça, pourquoi je vous dis ça? Juste pour voir la différence, au fait. Pour ouvrir un peu l'esprit. De quoi on parle ici? C'est pas juste de dire merci. Ok? Ouais, top. Quelqu'un vous a emmené votre sac? Merci, c'est tout. Quelqu'un vous ouvre la porte? Merci. Ok? Donc on dit merci tous les jours. Mais est-ce qu'on le fait comme il se doit? C'est ça qu'on va découvrir là, ensemble. The truth is, voilà Rhonda qui dit. The truth is, I was not a grateful person at all. La vérité, c'est que je n'étais pas du tout une personne reconnaissante. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Ok? Donc Rhonda qui disait, voilà, je savais. La vérité est que je n'étais pas du tout une personne reconnaissante. Je ne savais pas ce qui était reconnaissant voulait vraiment dire.
et juste dire les mots merci à l'occasion n'a certainement pas fait de moi une personne reconnaissante. Ok? C'était la politesse simplement. Ouais, c'était seulement la politesse, c'est tout. La politesse. C'est tout. My life without gratitude was pretty challenging. Ma vie sans la gratitude était assez difficile. I was in debt. And it was increasing a little bit more every month. Ok, Rhonda disait, j'étais endetté. Et c'est ça augmentait un peu plus chaque mois. I work very, really hard. But my finances never improved. J'ai travaillé très dur. Mais mes finances ne sont jamais améliorées. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. En essayant de faire face à la dette croissante et obligations, je vivais avec un courant sous-jacent continu de stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. Mes relations ont basculé comme un pendule de juste à désastreux parce que je n'ai jamais semblé avoir suffisamment de temps pour chaque personne. While I was what would be referred healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. Okay. Alors que j'étais ce qu'on appellerait en bonne santé, je me sentais épuisé à la fin de chaque jour. Et j'ai toujours eu ma juste part de rhume, d'influenza et des dernières maladies circulant à chaque saison. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. J'ai eu des moments de bonheur quand je suis sorti avec des amis ou quand je suis parti en vacances. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la réalité de devoir travailler plus dur pour payer ses plaisirs me submergerait. N'est-ce pas? Oui, je pars en vacances. Oui, je vais voyager. Oui, je vais sortir avec des amis. C'est bien. Cool, on a besoin de ça. On a besoin de ça, il faut travailler pour gagner ça. Et là, la réalité qui fait face à nouveau, ben, va travailler en couture. Rien n'est donné gratuitement dans la vie. I wasn't living. I was surviving. Je ne vivais pas. Je survivais. From day to day and from paycheck to paycheck. Au jour le jour et de chèque en chèque. Ok? Un chèque de paye, là, on va dire. Ok, minute Facebook, donc ça a coupé, on reconnecte avec nos amis sur Zoom.
J'avais mon complément alimentaire en même temps. J'ai le temps de le faire. Ok, très bien, super. Donc voilà, je disais que I wasn't living. Ok, I wasn't living, I was surviving. Ok, je ne vivais pas, je survivais. From day to day and from paycheck to paycheck. Je survivais au jour le jour et de chèque de paye à chèque de paye. Paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Et je ne résoudrais pas plutôt un problème de vie que plus de problèmes apparaissent. On va dire apparaîtraient à l'époque, apparaissaient. But then something happened that would change everything in life, in my life, from that day forward. Mais alors, quelque chose s'est produit qui allait tout changer dans ma vie de ce jour-là. And as a result of my discovery, okay, I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. Aïe, pardon, 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 pardon. Ok. Personne ne me disait qu'il n'y avait pas de son. Voilà. Alors, je refais, pardon. Ok. Fais comme ça, fais comme ça. Sauter, piler, montre-moi, il n'y a pas de son. Ok, allô? Me recevez? T'as nu là, c'est bon? Ok, pardon. Je ne savais pas. Donc, comme je disais, I wasn't living. I was surviving from day. Ah, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. On t'entend, mais on ne te voit plus. Ah, ben vous voyez. Hein? Vous voyez quand il n'y a pas de vidéo. C'est bien, non? C'est bien ou pas? Hein? C'est pas bien. Hein? Vous sentez la différence maintenant quand il n'y a pas de vidéo? Quand l'auteur, quand la personne qui parle aussi aimerait voir ces gens. Là, vous voyez comme c'est différent. Ok. I wasn't living. I was surviving. From day to day, from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Ok. Je ne vivais pas, au fait. Je survivais au jour le jour. Et de chèque de paye à chèque de paye. Et je ne résoudrai pas plutôt un problème de vie que plus d'autres problèmes apparaissaient. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. Mais alors quelque chose s'est produit qui allait tout changer dans ma vie de ce jour-là. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude every day. J'ai découvert un secret. J'ai découvert un secret sur la vie. Et à la suite de mon découverte, de ma découverte, l'une des choses que j'ai commencé à faire était de pratiquer la gratitude chaque jour. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. À la suite de cela, toute ma vie, tout, on va dire tout dans ma vie, a commencé à changer. Et plus je pratiquais de la gratitude, plus les résultats étaient miraculeux. Ma vie était vraiment devenue magique. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that,
I had all the money I needed to do whatever I wanted. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de dettes. Et peu de temps après, j'ai tout l'argent dont j'avais besoin pour faire ce que je voulais. Problems in my relationship. Des problèmes dans mes relations. Work, le travail. And health disappeared. Et la santé ont disparu. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. Donc des problèmes dans mes relations, le travail et la santé ont disparu. Et au lieu de faire face au quotidien, aux obstacles quotidiens, mes journées se sont remplies d'une bonne chose après l'autre. My health and energy increased dramatically. And I felt better than I had in my 20s. Ma santé et l'énergie ont augmenté de façon spectaculaire. Et je me sentais mieux que dans ma vingtaine. My relationships became much more meaningful. And I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months that I had in all the previous years. Mes relations sont devenues beaucoup plus significatives et j'ai apprécié plus de bons moments avec ma famille et mes amis en quelques mois que j'en ai eu dans toutes les années précédentes. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. Plus que toute autre chose, je me sentais plus heureux que je pensais qu'il était possible de se sentir. I was blissfully happy. J'étais extrêmement heureux. The happiest I had ever been. Le plus heureux que j'ai jamais été. Alors Rhonda, ouais, c'est pour Rhonda, c'est la plus heureuse que j'ai jamais été. Gratitude changed me. And my whole life magically changed. La gratitude a changé ma vie. La gratitude m'a changé. Et toute ma vie a changé comme par magie. Ok. Donc, je regarde l'heure pour voir si on a un peu de temps pour couvrir un autre bout. Ok. Qu'est-ce que vous dites? On peut continuer un peu encore? Un petit bout encore. Je vais faire tout le chapitre et on peut faire un point de vue. Ok, on va voir ça. Ok, on va voir ça. Il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Okay, on va faire un petit bout encore. Ok, mutez vos micros après, que ça n'agace pas les autres. Bring the magic into your life. Apportez de la magie dans votre vie. Ok. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes, peu importe votre circonstance,
actuelle, je vais dire. La magie de la gratitude changera toute votre vie. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. J'ai reçu des lettres de milliers de personnes dans les pires conditions, inimaginables, qui ont complètement changé leur vie en pratiquant de la gratitude. I've seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. J'ai vu des miracles se produire dans la santé, là où il semblait n'y avoir aucun espoir. I've seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. J'ai vu des mariages sauvés et des relations brisées se transformer en relations magnifiques. I've seen those in total poverty become prosperous, and I've seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. J'ai vu ceux qui étaient dans la pauvreté totale devenir prospères. Et j'ai vu des personnes en dépression propulsées dans la joie et l'épanouissement. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. La gratitude peut magiquement transformer vos relations en joyeuses et significatives relations, quel que soit l'état dans lequel elles se trouvent actuellement. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. La gratitude peut miraculeusement vous rendre plus prospère afin que vous ayez l'argent que vous avez besoin de faire les choses que vous voulez faire. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you've ever felt before. Il augmentera votre santé et apportera un niveau de bonheur au-delà de ce que vous avez jamais ressenti auparavant. Gratitude will work its magic to accelerate your career. La gratitude fonctionnera, sa magie, pour accélérer votre carrière. Increase success, augmenter votre succès et faire avancer, ok, augmenter votre succès and bring about your dream job or whatever it is you want to do. La gratitude fonctionnera, sa magie, pour accélérer votre carrière, augmenter votre succès et faire avancer votre travail de rêve ou quoi que ce soit que vous voulez faire. In fact, whatever it is that you want to be, to do or have, gratitude is the way to receive it. En fait, peu importe ce que vous voulez être, vous voulez faire ou vous voulez avoir, la gratitude est le moyen de la recevoir. The magical power of gratitude turns your life into gold. Le pouvoir magique de la gratitude transformera votre vie en or. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong. En pratiquant de la gratitude, tous les jours,
vous comprendrez pourquoi des choses particulières dans votre vie a peut-être mal tourné. And why certain things might be missing from your life. Et pourquoi certaines choses peuvent manquer à votre vie. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. En pratiquant de la gratitude, en faisant la gratitude devenir une mode de vie, vous allez vous réveiller tous les matins tellement excité d'être en vie. C'est pour cela que je dis à chaque fois, restez souriant. Dites merci. Vous allez aimer votre vie. Tous les jours, quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez être dans la joie. Parce que vous savez qu'il y a un autre jour merveilleux qui vous attend. You will find yourself completely in love with life. Vous vous trouverez complètement amoureux avec la vie. Je le suis. Et vous le voyez. N'est-ce pas? Everything will seem effortless. Tout semblera sans effort. You will feel as light as a feather and happier than you ever felt before. Vous vous sentirez aussi léger qu'une plume et plus heureux que vous ne l'avez jamais ressenti auparavant. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Même si des défis de la vie peuvent survenir, vous saurez les surmonter. Vous saurez les surmonter et en tirer des leçons appropriées. While challenges may come, you will know how to overcome and learn from them. C'est ça qu'on dit à chaque fois. Every day will be magical. Chaque jour sera magique. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Chaque jour sera magique. Chaque jour sera rempli de bien, plus de magie que lorsque vous étiez un enfant. Ok. Un petit bout encore? Qu'est-ce que vous dites? Dites-moi vous-même. Oui, c'est bon. Tanuja, c'est bon. Surtout ceux qui ont l'habitude de. Ok. Alors, on peut continuer? Un petit bout encore? Oui. Escarcetier. Ah ben, c'est Escarcetier, nous avons beaucoup alors. Escarcetier, c'est bon? C'était moins 10 comme ça. Pas comment je viens faire auction ouais. Avec moi. Pas lui faire la vente au moins, c'était. Non, pas préparé pour l'école. Ah, Jessie n'a pas l'école. Ouais. Jessie, vérifie ton école, non? Tu as fait de bien si là. Là, merci. Allez, right. On continue. C'est vrai quand on est en train de lire ce livre, c'est comme si on a envie de rester bien, non? On a envie de rester dedans.
Seigneur. Mais voilà. Et vous qui êtes avec moi, vous qui êtes toujours avec moi, depuis l'année dernière, depuis qu'on a commencé le 18 mars dernier, après les... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait les 9 jours... On après... avait fait le Seigneur avant. Non, après les 9 jours, on a tout de suite commencé la magie ou... Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On a commencé avec ses 9 avant. Oui, ses 9, je sais. On a commencé avec ses 9. Alors, on a continué avec... on a continué avec les 9. Oui. Après les 100 jours, on a commencé la magie, non? Oui, ça oui. La... Oui. Après les 100 jours, on a commencé la magie. Ah oui. Parce que... Ah oui, oui, oui. On était dans le bureau. C'est là qu'on a décidé oui, de faire la magie. Dans le bureau, on avait décidé ça. Oui, ça, oui. Ok, cool. Donc, vous étiez avec moi depuis l'année dernière. Et là, vous avez vu vous-même. Vous avez expérimenté vous-même. Parce que vous étiez à mes côtés. Tous les jours, on était connectés. Et vous avez vu, on vient de parler là. On vient de passer là-dessus, là, sur le paragraphe. Sur ce paragraphe. Attendez. On avait dit « Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success and bring about your dream job and whatever it is you want to do. » On était ensemble quand j'étais parti faire un interview pour mon nouveau job. Ok. Et tout ça s'est passé pendant depuis l'année dernière. Et ça vient. Et cette année-ci, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu encore des miracles. On a reçu encore des cadeaux. On a reçu encore des fruits. Oui, oui. Et vous êtes témoin. Et vous êtes témoin. Yes. Et c'est pour ça que je dis tous les jours, on va pratiquer cette gratitude. Tous les jours, on va tenir notre roche magique dans la main, tous les soirs. Et on va dire merci pour cette journée. On va passer là-dessus de toute façon après. Ok. Maintenant, voilà, la question qu'on va se poser, on continue. Is your life magical? Est-ce que votre vie est-elle magique? Ok, c'est la question qu'on pose. Est-ce que notre vie est magique? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Maintenant, vous pouvez dire à vous-même à quel point vous avez réellement utilisé la gratitude dans votre vie. Just take a look at all of the major areas of your life. Asseyez-vous sur votre canapé, sur votre lit, sur votre chaise et jetez simplement un coup d'œil à tous les principaux domaines de votre vie. Je parle de money, l'argent, health, la santé, happiness, la joie, le bonheur, career, la carrière, house, home, ok, la maison, le foyer, and relationships, et les relations. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude. Les domaines de votre vie qui sont abondants et merveilleux sont ceux où vous avez utilisé la gratitude. Ok? And are experiencing the magic as a result. Et voilà, vous vivez
la magie en conséquence. Any area that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. Toutes les zones qui ne sont pas abondantes et merveilleuses, ok? Toutes les zones qui ne sont pas abondantes et merveilleuses sont dues à un manque de gratitude, tout simplement. It's a simple fact. Ok? It's a simple fact. C'est un fait très simple. When you're not grateful, you cannot receive more in return. Lorsque vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pouvez pas recevoir plus en retour. You stop the magic from continuing into your life. Vous avez empêché la magie de continuer dans votre vie. When you are not grateful, you stop the flow of better health. Ok? Quand tu n'es pas reconnaissant, et c'est là que vous allez arrêter le flux d'une meilleure santé. Better relationships. De meilleures relations. More joy. Plus de joie. Career or business. La carrière ou votre affaire, votre entreprise, votre business. To receive, you have to give. Pour recevoir, il faut donner. It's the law. C'est la loi, mes amis. More joys will not death, more money, more advance of your job. Sorry. Merci, Tanja. Right? So, when you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. Je refais. Okay? Quand tu n'es pas reconnaissant, et c'est là que vous allez arrêter le flux d'une meilleure santé, de meilleures relations, plus de joie, plus d'argent, et l'avancement de votre travail, de votre carrière et de votre business. Ou entreprise ou société. To receive, you have to give. Pour recevoir, il faut donner. It's the law, c'est la loi. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic from receiving everything you want in life. La gratitude, c'est rendre grâce. Et sans elle, tu te coupes de la magie et de la réception, tout ce que vous voulez dans la vie. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking. Okay? L'essentiel de l'ingratitude cette fois-ci. L'essentiel de l'ingratitude. C'est là quand on a le mot ingrat. L'essentiel de l'ingratitude est que lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes prises. We are taking. On est en train de prendre seulement. Hein? Moi, si je peux ramasser, moi. Moi, pas qu'on donner. Je prends seulement. Je suis gourmand. We are taking things in our life for granted. Ok? Nous prenons les choses dans notre vie pour acquises. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves.
Quand on prend les choses pour acquises, nous prenons involontairement de nous-mêmes. We will, okay. The law of attraction says, qu'est-ce que la loi d'attraction dit? Like attracts like. Le semblable s'attire. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Okay? La loi de l'attraction dit que le semblable s'attire. Donc, si nous tenons quelque chose pour acquis, nous serons extraits en conséquence. Voilà. Ce sera de nous-mêmes. De nous-mêmes que ça va se retirer, on va dire. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Souvenez-vous, celui qui n'a pas de gratitude, même ce qu'il possède, lui sera enlevé. Et c'est vous qui va déclencher ça. C'est vous qui allez déclencher ça, inconsciemment. Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Vous avez certainement été reconnaissant à plusieurs reprises de votre vie. Mais pour voir la magie et provoquer un changement radical dans votre situation actuelle, vous devez pratiquer la gratitude et en faire votre nouveau mode de vie. Voilà. Ok? Donc demain, on parlera de The Magic Formula. Ok? La formule magique. Et demain, on terminera l'introduction. Ok, de toute façon, on a la formule magique demain et après, on va parler sur pourquoi ce livre, waouh, même ça, c'est long. Ok, pourquoi ce livre est tout simplement magique. C'est pour cela, ça voyage avec moi tous les jours. C'est pour cela, je l'ai plastifié dès le premier jour. Et c'est encore comme neuf. Quand est-ce que j'ai acheté ce livre? 2 novembre 2016. 2 novembre 2016. Regardez l'état. Parce que vous allez savoir pourquoi on va comme si l'emmener avec nous tous les jours. Vous allez savoir après. Dans la pratique. Ok? Donc voilà. Donc voilà, on est arrivé à la fin parce que c'était au moins 10. Super, top, prêt, presque. Et après, de toute façon, il nous reste que 6 minutes dans notre compteur. Ok? Donc voilà, est-ce que c'était émouvant aujourd'hui? Est-ce que c'était enrichissant aujourd'hui? Super, super, magie. Vous m'entendez? Magie, la magie. Oui, oui, on t'entend, Dominique. Entends, ok. Bonjour, Dominique. Hein? Ah, tu es déjà à Rodrigue. Elle est à Rodrigue, ouais. Oui, c'est à Rodrigue. Ça m'a bien. Oui. Dominique, là-bas, oui. Malheureusement, des fois, quand on essaye de parler à mes amis, des fois, je dis, oui, problème connexion là-bas. Oui, il y a des connexions, ouais. Problèmes, c'est vrai. Des fois, bien vraiment monte le colonne là-bas. Ouais. Ouais. Non, ouais, parce que ça fait des trous des fois, ok, à Rodrigue. Et voilà. C'est pas vous, Zé. Pareil là, hein, parce que j'ai dit de préparer un carnet à part. Ok. Oui. Préparer un carnet à part et là on va pratiquer, on va écrire. Oui. Avec? Oui. Avec? Mon livre est ouvert là comme si, par hasard, sa couverture là,
Il y a une dédicace, dédicateur, je vois que c'était important que tu as pas dit ça, c'est important. La première page. Ok. Allez, merci Jessie, on va lire ça. Ouais. Dedicated to you, dédié à vous. Ok. May the magic open up a new world for you. Ok, à tout le monde ici là. Hein. Attendez, je mute les micros. Voilà. Donc, dédié à vous, may the magic open up a new world for you. Que la magie vous ouvre un nouveau monde pour vous. And bring you joy for your entire existence. Et vous apporte de la joie, de la prospérité pour toute votre existence. That is my intention for you. C'est ça mon intention pour vous. And for the world. Et pour le monde. Voilà. Voilà. Un petit dédicace pour tout le monde. Ok. Merci, Jessie. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais envoyer un PDF de la magie. Et comme ça, tout le monde l'aura sur son téléphone. Et comme ça, vous pouvez repasser sur le passage d'aujourd'hui et relire. Parce que ça fait du bien de lire. De relire les phrases, n'est-ce pas? Ok. Donc. Surtout, ça ramène à nos vies. Ah ben, c'est de notre vie qu'on parle là. Ok. Ouais. C'est pas la vie de notre voisin. Non, non. Ouais. Donc, de toute façon, il y aura la pratique aussi pour les autres. Ça, vous le saurez. Ouais, c'est vécu. Vous le saurez après. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, restez humble, restez vrai. Restez souriant, restez honnête, restez gentil avec tout le monde. Be kind to one another, restez simple, restez pieds sur la terre, restez humble. Ok. Donc, parce que comme j'ai dit l'autre jour, lorsque vous ne serez pas là, ce n'est pas l'argent ou la maison que vous allez laisser derrière, non. Ce n'est pas ça au fait. Ok. Ce n'est pas ça au fait. C'est pas ça l'importance dans une vie. Comme j'ai dit, l'argent, c'est de l'énergie. Ça passe, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est de l'énergie. Ok? Le plus important, lorsque vous ne serez pas dans ce monde, c'est what is the legacy you left behind? Quelle histoire vous avez laissée derrière? Quel héritage vous avez laissé derrière? Jusqu'à maintenant, on parle de ces grands hommes, de ces grandes femmes qui ont existé. Gandhi, Einstein, le roi David, okay? Donc tout ce beau monde. Isaac Newton, on parle toujours. Ben, c'est ça, qu'est-ce qu'on va quitter comme héritage quand on ne sera pas là? Parce qu'il n'y a pas de prix. On ne peut pas acheter ces choses-là, n'est-ce pas? Ok? Donc, tout ça, c'est éphémère. La grosse voiture, la belle maison, la grande maison, après, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de santé dans cette personne qui roule sa voiture, s'il n'y a pas de santé dans cette personne qui vit dans cette grande maison, mais il n'y a rien, ça ne vaut rien. S'il n'y a pas de la gratitude, là où vous êtes, là, vous n'êtes rien, tout simplement. C'est pour ça, tous les jours, quand vous allez ouvrir vos yeux, souriez et aimez. Et dites merci tous les jours. Ok? Allez, gros bisous. Merci Jessie, merci Fabien, merci Damien, merci Sylvain, merci Pavaka, merci Nishita, merci Marie. Marie, merci Dominique. T'as mis Marie là-bas, ça j'ai dit Marie. Merci Rakesh, ouais, super content de toi. Ouais. Gros bisous à tout l'Angleterre là-bas. Merci Nasrin, ok, cool. Et voilà, merci. Et on se voit demain à la même heure, donc demain samedi. Voilà, profitez-en, ne profitez-nous un peu. Voilà, merci, ciao et à demain.